l'ombre de la tour, oui, nous sommes à l'ombre de la tour, le nouveau studio d'enregistrement de Mon Cuc TV. Et donc, comme promis, après notre petite pause au café, je retrouve Emmanuel qui va cette fois nous parler de littérature. Eh ouais, vous êtes là pour parler de littérature. Fini, petit rapporteur. Donc, ça a commencé comment, votre aventure littéraire? Alors, c'est une aventure récente, ça c'est la première chose, puisque je date du 24 avril dernier. C'est-à-dire 2018, pour bien être clair. 24 avril 2018, donc, voilà, c'est le jour où j'ai pris ma plume pour écrire. Et avant, votre plume, elle était où? Pourquoi vous n'écriviez pas avant? Parce que, faute de temps, pris par mes activités professionnelles, j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient, écoute, quand tu écris, suite à des courriers, par exemple, des choses comme ça, t'as une écriture sympa, ce serait vraiment bien que tu penses à écrire, voilà, t'y mettre. La flemme et puis peut-être le manque d'inspiration aussi, enfin tout ça a joué. Donc il y a eu un événement déclencheur? Alors, pour vous mettre à écrire et à publier aussi rapidement finalement, parce que vous avez donc écrit et publié deux livres en un an, en moins d'un an. En moins d'un an. 9 mois. Alors, je dirais pas un facteur déclencheur, mais pluralité de facteurs. Le premier, il remonte à peu près à il y a 4 ans. Voilà, ce sont des amis proches qui ont perdu une fille dans des conditions dramatiques. Et la maman, on a dîné un soir ensemble, et elle m'a dit, écoute, j'ai reçu des centaines de courriers, d'emails, des SMS, etc. Et tout ça, ça a glissé sur moi, sauf une lettre, la tienne. Et là, elle m'a dit, tes mots accrochent, et il faudrait que tu écrives, Emmanuel. Et ça, ça m'a profondément marqué. Et ça a été le sujet de votre premier livre ou pas? Non. Donc ça a été mis de côté. Vous n'avez pas tourné autour? Non, en fait, ça m'avait vraiment, disons que j'avais quelque part, ça m'a imprégné. Cette remarque m'a imprégné et j'avais commencé après à écrire un premier roman. J'ai posé la plume parce que l'intrigue n'était pas suffisamment solide, elle n'était pas assez structurée. Enfin, ça n'allait pas. Bon, voilà, et puis après, je dirais que le facteur qui était vraiment le déclencheur, ça a été une faille de vie, dans un contexte professionnel, qui m'a amené à un burn-out, et j'en ai profité du coup pour passer une licence d'histoire, voilà, parce que j'avais besoin de m'oxygéner, de passer à une autre séquence de ma vie, certainement. Et tout ça m'a amené au mois d'avril dernier, où après étrangement 3 jours de rumination intérieure. De gestation. Oui, de gestation. Donc au bout de 3 jours, j'avais une histoire. Donc, qui était donc M. L'Aube de la vie. Oui, M. L'Aube de la vie, donc mon premier roman. Et je me suis mis à écrire le 24 avril. Depuis, il y a des personnes, des journalistes par exemple, qui m'ont demandé, mais vous parlez d'une rumination de 3 jours, mais ça correspond à quoi? Ce qui s'en rapprocherait le mieux, c'est un petit peu comme une vendange, voilà, une vendange de raisin, et il s'ensuit une fermentation, bien évidemment, et au bout de 3 jours, c'est pas encore du vin, c'est un mou, déjà avec de l'alcool, on va dire. Et après, bah, c'est le travail de l'écrivain, et le travail de l'écrivain va durer 1 mois et demi, et au terme, il y a ce que j'appelle mon premier vin, alors j'espère que ça sera un bon cru et pas une piquette. Donc voilà. Mais on peut dire que les vignes ont été plantées il y a 30 ans, 40 ans? Oh, je pense que les vignes, elles étaient là depuis beaucoup plus longtemps que ça. En fait, moi j'ai toujours baigné dans la littérature. Dieu sait pourtant que je suis issu d'un milieu rural et agricole qui n'est pas vraiment... Où il n'y avait pas de bouquins chez vous? Si, mais qui n'est pas vraiment porté sur la lecture. On est des plutôt, chez moi, des manuels pratiques. Ça ne veut pas dire qu'on manque d'intelligence. Ça veut juste... Dire qu'il n'y a pas de bouquin, qu'il n'y a pas d'habitude culturelle. Voilà, il n'y a pas d'habitude culturelle. On n'est pas en milieu citadin, quoi, où l'aspect culturel des choses est quand même plus ancré. En revanche, moi, ce qui se passait, c'est que pendant les moissons, je dis que ma librairie, ma bibliothèque, c'était un tracteur. C'est-à-dire que pendant que la moissonneuse-batteuse remplissait sa trémie,
Moi, j'attendais sur le tracteur qu'on vienne vider la récolte. Et pendant ce temps, je lisais. Je lisais Antoine de Saint-Exupéry, Malraux, Voltaire. C'était vraiment une lecture. Vous étiez pris pour un extraterrestre dans votre quartier? Oui, le surnom qu'on m'a donné, d'ailleurs, des amis qui m'ont dit « l'intellectuel ». Voilà, un intello qui sort du milieu rural. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, donc effectivement... Et donc, comment vous trouvez un éditeur? Alors, comment ça s'est passé? Bah, en fait, quand j'écrivais donc M. de la vie, à chaque chapitre, j'éditais. J'avais besoin d'avoir un rapport au papier et pas uniquement... Vous imprimiez, en fait? Ah oui, j'imprimais. J'avais besoin de ça pour relire, pour etc. Et mon épouse, au début, était un peu intriguée, puis elle a vu les pages qui s'accumulaient. Au bout d'un moment, elle m'a dit « Est-ce que je peux lire ?» Alors je dis « Bah, vas-y, serre-toi. » Et alors je la guettais un peu du regard, du coin de l'œil. Et à un moment donné, alors c'était poker face, elle laissait rien transparaître. Et au bout d'un moment, je finis par lui dire « Alors ?» Et elle m'a fait juste un commentaire extrêmement laconique « Continue. » Bon, rien d'autre. Voilà. Et puis ensuite, mon manuscrit a été mis en circulation, un petit peu à mon insu, auprès d'un certain nombre de, on va dire, de lecteurs avisés. Voilà, donc c'était vraiment dur, enfin. Donc dans le milieu de Versailles, parce que vous êtes sur Versailles, c'est ça maintenant? Dans le milieu de Versailles. Donc pour vous situer au niveau région, donc vous venez de Versailles. Moi, j'habite à côté de Versailles. Et... il y a eu trois personnes qui ont reçu le manuscrit, donc ça c'était à l'initiative de mon épouse, un peu en catimini, je ne savais pas trop. Et moi, en revanche, j'avais pris deux personnes pour avoir un avis de lecteur, quoi. Et les retours, bon, mon épouse a confessé son péché, si j'ose dire, et on a réuni ce comité off de cinq personnes, et dans les cinq cas, c'était « faut publier, c'est vraiment, en tout cas, faut chercher un éditeur ». Donc j'ai envoyé ça à 16 maisons d'édition, ce que j'appelle, c'était une sélection que j'avais faite, d'éditeurs court retour en termes de réponse. Alors c'est pas péjoratif hein, par rapport à la... Vous aviez trouvé cette liste où, donc, parce que vous n'êtes pas dans le milieu d'édition? Non, sur Internet. Donc simplement sur Internet, voilà, par des recherches sur Internet. Sur Internet, mais j'avais également Gallimard, Ixo, enfin, ouais. Voilà, Gallimard, je les avais même appelés, ils m'avaient répondu, vous pouvez toujours nous envoyer le manuscrit, mais on vous répondra apparemment un des mois. Bon, or moi, ce qui m'importait, c'était... Ce qui m'a apporté, c'était d'avoir un retour vraiment, voilà, bon ou pas bon, peu importe, moi j'allais être fixé sur la qualité de ma plume. Donc j'ai envoyé ça à 16 maisons d'édition, elles répondaient toutes dans un délai de un mois, et effectivement elles se sont manifestées à quelques jours près, au-delà du mois passé, et sur les 16 maisons d'édition, j'en ai 14 qui m'ont dit, votre manuscrit, on le prend et on va le publier. Donc il n'y avait pas de mais. Donc non, il n'y avait pas de mais. En tout cas, le mail était chez moi. Hein, donc ça a été vraiment une grande surprise. Il y en aurait eu... Donc pourquoi avoir choisi Sidney Laurent, qui n'est pas une grande maison d'édition? Alors, bah, les 16, je vais être franc, ce n'est pas des grandes maisons d'édition. Voilà, mais c'était un parti pris de ma part, parce que je commençais à comprendre le fonctionnement du milieu de l'édition, que je ne connaissais pas jusque-là, où je pense que si je voulais avoir une chance d'être publié rapidement, bah, il fallait que je passe par des maisons qui soient plus souples. Voilà. Alors, moi j'ai eu la chance de pouvoir choisir ma maison d'édition et la nature de mon contrat. Bon. En d'autres termes, j'ai vu passer beaucoup de choses, j'ai vu un compte d'auteur, en d'autres termes, vous écrivez l'histoire, oui, vous payez le bouquin, ça c'est juste... Donc vous n'aviez pas écrémé d'abord de virer les comptes d'auteur? Alors, je ne savais même pas... Ah, vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas le monde de l'édition, donc moi, voilà. Vraiment... Donc dans les comptes d'éditeurs, il y avait combien, vous aviez un choix entre combien de maisons? En tout, j'ai eu 4 maisons qui me proposaient un contrat à compte d'éditeur, en d'autres termes, qui acceptaient... Parce que finalement, les autres, ce n'était pas très important. Donc les autres, elles étaient... Leur accord était un accord que vous pouviez payer. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était, j'ai écrit l'histoire, vous assumez le risque de la publication. Chacun son métier. Bon, donc moi j'ai 4 maisons qui me proposaient un contrat de cette nature, et j'ai pris Sidney Laurent, parce que Sidney Laurent d'abord a été constant, c'est-à-dire a été le premier à se manifester auprès de moi, à être très actif dans le suivi,
et à respecter les engagements. Bon, et moi, je suis un homme d'engagement, j'aime bien qu'on respecte les engagements, c'est-à-dire c'est toujours réciproque. Donc voilà comment les choses se sont faites. Et après, il y a eu donc le deuxième bouquin, on va faire une petite pause, et on fera le deuxième bouquin dans une autre vidéo, parce qu'on est à 10 minutes. D'accord. Et voilà, quand l'auteur rencontre une chatte de Monkey Creek, voilà. La célèbre rue du Petit Rapporteur, il admire nos vieilles pierres. Troisième partie, ou alors nouvelle vidéo, nouvelle interview de notre visiteur devant la tour. Les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, et bien tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez d'une façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Le maire, oui, il arrive. Voilà, monsieur le maire, bonjour. Ah, je ne suis pas content de vous. Ah, je vais vous le dire. En direct? Ah, bon, je peux vous dire en direct. Non, ah, mais sur. C'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. C'est l'un des endroits les plus mystérieux de Montcuq en Quercy-Blanc. Un endroit dont on ne parle pas souvent.